mangeant en bilan, qui dans cette immigration, rue Sotibous et la réingénière, c'est là-bas qu'ils sont capables de travailler jusqu'à Fauteur. Et pas le chemin, non rien. C'est seulement le sa 3 sites qui nous cassent là, jusqu'à au-delà de 18 heures. C'était une demande qui va nous faire qu'il faut extendre le délai d'opération. C'est à partir de là qu'ils nous prennent cette demande en considération pour autoriser le travail au-delà de cette manière-là. Seulement jusqu'à le 31 décembre. Suite à plusieurs sessions de travail qui nous finissent avec le nom de la capitale, je prends la disposition pour qu'il y ait des mentions qui peuvent travailler actuellement à la place d'immigration et sur le ruisseau du Pouce et à la rue Ingénieur, c'est-à-dire en face du casino central. Alors, suite à sa délocalisation qui se fait 2-3 mois de cela, une manche ambulante qui se fait opérer à la place du temps, fait bouger dans 3 places respectives. Et là, à la semaine dernière, nous finissons plusieurs rencontres et nous finissons l'aval du conseil municipal pour qui, à partir du 15 décembre jusqu'au 31 décembre, uniquement, ça peut être des possibilités là, le conseil municipal et l'ordinaire autorise nous pour opérer dans ces 3 places respectives là, jusqu'à 23 heures. Alors, c'est une campagne qui est nécessaire, c'est-à-dire finir la manifestation, c'est son travail entre la mairie de Pourluy et la police, en ce qui concerne la sécurité aux alentours de Manne-la-Foy. Et deuxième disposition, pour mettre un seul éclairage partout aux alentours de la gare, au niveau du NTA. Alors, l'ordinaire n'est pas capable de répondre à moi, l'ordinaire disposition qui dépend.